Je fais la totale. J'ai eu une plainte de Madame Cocogne, on est venu me voir comme ça. J'ai eu des amants de je ne sais pas combien d'années qui sont revenus. Bon, je pense que peut-être pas tous les fonctionnaires, mais il y a certaines personnes qui ont envie d'épouser le combat en se disant qu'ils vont couper la tête, en pensant que je suis la tête, mais aujourd'hui le peuple c'est la tête. Donc tout un chacun, tout le monde est éveillé, tout le monde comprend l'importance du combat qu'on est en train de mener. J'ai proposé sans vous dire de passer en voie d'eau, parce que c'est la même souffrance, c'est le même combat. Donc aujourd'hui, il est urgent d'arrêter d'essayer de trouver des solutions, surtout en muselant la parole, surtout la vérité, et d'amener de vraies solutions, de s'asseoir, de discuter, et d'amener de vraies solutions, ce que j'invite les syndicats de la grande distribution à faire, et tous les acteurs. Est-ce que ça signifie aujourd'hui que vous en voulez à quelqu'un, à la justice, ou est-ce que vous en voulez à quelqu'un? Je ne vais pas me fatiguer de le dire. J'en veux au peuple. J'en veux au peuple d'avoir accepté aussi longtemps inacceptable. Aujourd'hui, ma colère contre mon peuple est atténuée parce que je vois qu'ils sont éveillés, qu'ils sont déterminés, que présent ou pas présent, ils mènent le combat. Le combat, ce n'est pas le R, c'est pas moi. Le combat, c'est le peuple. Le combat, c'est cette injustice-là, c'est plus criminel. C'est ça le combat. Je sais pas, quand on se bat pour le peuple, il faut se délester de tout orgueil, de toute colère, de toute idée de vengeance. La justice fait son travail, je fais le mien, ils font leur vérification, je continue à mener le combat, j'essaie de transmettre ma détermination, ça fonctionne, c'est ça l'important. Même cette garde à vue, cette arrestation, il ne faut pas faire attention à ça. Il faut rester concentré sur le combat. Il ne faut pas laisser le combat être dévié par autre chose, surtout quand je demande que le combat se passe le plus sainement que possible, sans violence, et que j'appelle tous les acteurs à venir au plus vite à la table des négociations, parce que tout ce qui traîne se salit, et j'ai pas envie demain que la cause soit discréditée à cause de ça. Merci.